Bon. Et là, est-ce que vous avez du son, les filles? J'enlève le micro, je pense qu'il y a un problème. J'ai eu une mise à jour sur mon ordinateur et à mon avis, ça a bugué. Je vais. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? J'attends parce qu'il y a un décalage. Bon, du coup, la qualité du son va être moins bien puisque j'ai enlevé le micro, mais l'important c'est que vous m'entendiez. Super, génial, merci les filles. Je lis vos commentaires avec attention, je stresse toujours. Je sais pas pourquoi, il y a un petit bug, mais bon, on verra, on résoudra. Vous voyez, maintenant je ne panique plus et tout va bien se passer. Bon, enfin, j'espère. Alors, le son que vous entendez au loin, c'est du coup peut-être le. C'est le moteur de l'ordinateur, mais voilà, pour ce soir, ça sera comme ça. Je vais essayer de parler assez fort pour que vous m'entendiez. Génial. Super. En tout cas, je suis contente que vous soyez nombreuses au rendez-vous. Aujourd'hui, on va faire une carte twist que je vous montre. Alors, pour une fois, j'ai choisi de faire cette carte twist, mais on va pas faire exactement celle du modèle. Parce que j'ai tellement envie d'utiliser les nouveautés que je pouvais pas m'empêcher de. Voilà, j'avais envie de refaire. Donc voilà le système de la carte twist. Alors attendez, je change juste pour pouvoir voir vos commentaires s'il y en a. Attention. Hop là. Hop. Hop là. Là, voilà, pas mal. Bon, s'il y a des petits soucis avec le son, de toute façon, je peux pas faire mieux. Mon assistant technique, qui est mon mari, n'est pas là. Mon fils ne trouve pas pourquoi. Donc c'est comme ça ou rien, malheureusement. Mais bon, on a l'habitude, hein, la technologie, des fois, on n'est pas aidé. Donc voilà, la carte twist, c'est ce principe-là. Ok. Comme je vous le disais, on ne va pas le faire avec ces produits-là, puisque j'ai envie d'utiliser l'émotion, le set de tampons émotion effeuillée avec les dies assortis et le beau papier que j'aime beaucoup aussi, celui-ci. Voilà. Ok, on y va? Alors. Pour commencer, on va commencer par la structure avec le mécanisme pour que vous soyez bien concentrés pour éviter de faire des boulettes. Et d'ailleurs, pour moi, la première. Juste un petit aparté parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui me suivent aujourd'hui puisqu'on a changé d'heure. Alors, pour la petite histoire, du coup, je vous mets. Voilà, c'est plus sympa de vous parler comme ça. Donc voilà, je suis Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin'. Je suis démonstratrice depuis 2011 et depuis environ 2 ans, une fois, voire des fois 2 fois la semaine, j'organise des lives sur ma page Facebook pour partager avec vous des techniques, mais aussi mes coups de cœur au niveau du catalogue Stampin' Up, dont je suis donc co-démonstratrice. Si vous souhaitez des produits, c'est toujours avec un plaisir immense que j'honore votre commande. Ou bien, maintenant, vous pouvez faire en toute autonomie sur ma nouvelle boutique en ligne et en français. Et ça, c'est top. Donc voilà, je vous ai mis précédemment dans des posts précédents la boutique en ligne hein, avec le lien. Pensez bien à renseigner mon nom, Fanny Souvelin, pour éviter les erreurs. Et si vous avez besoin et des questions, forcément, je suis toujours là pour y répondre. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir une superbe équipe, les Positives Créatives, qui s'agrandissent de jour en jour. Et comme je vous l'ai mis sur Instagram, même le dimanche en pleine campagne, j'ai l'agréable surprise d'avoir des mails qui me disent que mon équipe s'agrandit. Elles sont nombreuses, de plus en plus nombreuses, et ça c'est chouette. Elles sont nombreuses de 76, du coup, à ce jour, sur les 3 niveaux. Et donc ça c'est top.
Et dimanche, on fait une rencontre de lignée virtuelle sur Zoom. Et je suis impatiente de les retrouver. Et on essaye de se voir le plus souvent possible. Et du coup, de se... voilà. D'être au maximum présente. Et j'essaye de les entourer au mieux. Et c'est vraiment une superbe aventure. Donc si vous hésitez à devenir démonstratrice, n'hésitez plus, parce qu'en plus ce mois-ci il y a une super promo, puisque vous pouvez avoir votre kit de démarrage à 129 €, mais vous choisissez 175 € de matériel dans le catalogue, plus un lot tampon découpe ou tampon perfo. Donc ça c'est génial. Bah c'est voilà, c'est super. Voilà. Que vous dire de plus? On se met à travailler. Ah oui, je vous ai pas dit, j'habite en Normandie, mais après, maintenant, avec la magie d'Internet, je suis toujours proche de vous en toutes circonstances. Allez, on se met à travailler, on arrête les blablas et au boulot. Donc, on va faire la petite carte Swift qui est là. On va commencer volontairement à faire le mécanisme à l'intérieur pendant que je suis concentrée et vous aussi. Pour le mécanisme, je vais utiliser une des nouvelles couleurs Incolor, qui est Juste Jade. Voilà. Ouais, une équipe qui déchire, comme tu dis, Mélanie. J'ai vraiment la chance de vous avoir, vous êtes au top. Alors, Juste Jade, et je vais découper un rectangle de 20 cm sur 9. Alors, je fais d'abord ma première coupe à 9 cm. Voilà. Et comme il me faut 20 cm, je vais juste enlever 1 cm. Puisque j'avais mes 21. Tout simplement. Voilà. J'espère que je suis bien centrée et que vous voyez bien. Non, je suis pas très bien. Alors, attendez. Je remonte le massicot pour que vous voyez. Hop, hop, hop. On change un petit peu. Ma table de salon est trop petite. Voilà. J'espère que ça va être mieux. Il va falloir un jour que je remédie à ça. Acheter une plus grande table de salon. Et oui, Mélanie, je scrape du vert. Cette couleur Juste Jade est trop belle. Et cette collection de feuilles émotions effeuillées me fait changer d'avis et me fait aimer le vert. Quand même, hein. Parce que pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez bien que le vert, c'est pas ma couleur préférée, loin de là. Mais du coup, celle-ci, je l'adore. Alors, on a fait un rectangle de 9 cm sur 20. On va tracer un pli au milieu à 4,5. Hop là. Voilà. Sur toute la longueur. Maintenant, on va prendre un petit crayon et on va se mettre à 5,5 cm. Voilà. Et on va marquer une petite marque. Voilà. À 5,5. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc vous devez avoir 4 petits traits. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et maintenant, on va tracer les diagonales entre chaque petit trait, comme ceci. Donc moi, je fais tout en massicot, parce que je l'adore, ce massicot. Et que c'est tellement pratique, on fait tellement de choses. Bisous tout le monde pour celles qui arrivent. On a juste commencé là. Hop. Et voilà. Muriel, je vais faire la carte twist. Comme celle-ci. Mais de couleurs différentes et avec des motifs différents. Parce que j'ai trop envie d'utiliser les nouveautés. Donc, vous avez un pli sur la longueur et après, vous avez deux diagonales. Maintenant. Mon pense-tabette, parce que comme j'ai bossé aujourd'hui, j'ai peur de vous faire des bêtises. On va plier les diagonales. Voilà, comme ceci. Et on va plier
aussi le pli en longueur. C'est bon. Et alors, le but du jeu, c'est que votre mécanisme ressemble à ça. C'est-à-dire le triangle qui ressemble à un toit de maison et deux jambes quinconces. Elles se touchent, c'est normal, hein, mais elles sont vraiment indépendantes. Voilà. Ça va, personne, tout le monde est là? Super. Je fais aussi des gros bisous à celles qui regardent en replay, parce que je sais aussi qu'à cette heure-là, il y en a encore qui travaillent. C'est fini le confinement, fini d'être à la maison, malheureusement pour vous, ou heureusement pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Sachez que pour les copines qui regardent en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions. D'accord? Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, on a notre mécanisme qui est comme ceci. D'accord? Après, on va pour le moment le mettre de côté. Je reprends une feuille juste jade. C'est bon Sonia? Génial. Et je vais découper une bande de 9 cm également. Mais cette fois-ci, il faut qu'elle fasse 25 cm. Donc là, je vais être obligée d'ouvrir le bras de mon massicot pour faire jusqu'à 25 cm. Ok. Oh, on a encore notre guérisseur qui vient nous embêter comme la semaine dernière. C'est quoi ce monsieur-là? On s'en fiche! Voilà. Maintenant, on va tracer des plis tous les 6,25 cm. Oui, un intrus. 6,25. Donc 6,25 plus 6,25. Je suis allée à l'école encore et donc ça continue. On va jusqu'à 12,5. Et comme 12,5 plus 6,25, c'est compliqué, je fais un quart de tour et je vais reprendre 6,25. Ça, c'est les astuces de feignante. Et voilà. Ok, donc on a 25 cm sur 9 cm et on a tracé des plis à 6,25, 12,5 et 6,25. Ok? Je peux continuer? Apparemment oui, personne crie au secours, donc je continue. Et là, on va faire une forme d'accordéon. On va plier comme ceci, donc en pli vallée. Pli montagne et de nouveau un pli vallée. Voilà. Pour que ça vous représente ça. Ok? Est-ce que vous suivez? Parce que là, en gros, on a pratiquement fait le plus difficile. Alors, ça suit les copines? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y en a? Ouais, génial, Laurence. Ah, je suis contente, Laurence, que tu puisses avoir enfin ton catalogue. J'ai eu des petits soucis de catalogue. Je pense que certains facteurs gardent les catalogues Stampin' Up. Alors, j'espère que ça va m'amener de nouvelles commandes et de nouvelles clientes, voire des nouvelles filleules chez nos amis les facteurs. Mais voilà, entre les délais qui sont un petit peu plus longs, le fait que les bureaux de poste soient fermés, et du coup, pour l'achat des timbres, tout ça, il a fallu que je me mette à la modernité à les imprimer à la maison. Mais voilà, Laurence a enfin son catalogue, et vous êtes aussi d'autres à attendre patiemment votre catalogue, et je vous en remercie de votre patience, c'est très gentil. Voilà, on continue. Voilà, super. Alors, on va mettre de côté notre massicot pour le moment. Hop, hop, hop. Voilà, tout se casse la vidette. Évidemment, comme d'habitude, vous savez bien que vous aurez le tuto, mon schéma, sur ma page Facebook dès demain. Hein. Donc, maintenant, il va falloir qu'on colle à l'intérieur. Je vous explique et je vérifie que je ne fais pas de bêtises. Alors, en fait, on va reprendre la première partie qu'on a faite et on déplie.
Et pour pas se tromper, je vais faire une croix ici et je vais faire une croix en bas à l'inverse. Et c'est ici que l'on va coller notre petit portefeuille. Non, n'importe quoi. Notre accordéon. Je dis des bêtises. Ça y est. Allez, je reste concentrée. Et donc, on va venir coller notre petit accordéon ici. Ce qui est le plus important dans cette carte twist, en fait, les filles, c'est qu'il faut... Voilà, une fois que vous avez plié, que vous avez votre croix... Il ne faut pas coller votre accordéon tout près du mécanisme là. Il faut laisser un petit décalage pour que les mouvements se passent bien. Ok ? Donc on va laisser, on va dire, 2-3 mm. D'accord ? Donc, ce que je... Et on va... Alors là, c'est important, d'où la croix. On va mettre de la colle là, mais que sur la partie supérieure externe. Bon, ça y est. Mes cours d'anatomie d'école d'infirmière reviennent. Super haut externe, ça rigole plus. Donc en haut, à droite et à l'extérieur. Donc on prend le côté là et on va le coller ici en faisant très attention, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de laisser un petit décalage avec le mécanisme. Parce que vous avez été plusieurs à me dire « Oui, mais moi, j'y arrive pas, ça bloque. » Et je pense que le problème, il est là. Votre problème, pardon. Voilà. Donc là, on va coller, donc, vous voyez, on a collé que le haut, hein. On est bien d'accord. Alors Liliane, pour couper les 0,25, tu te mets entre deux tiges. Même sur celui de Stampin' Up, pour être honnête, tu n'as pas les 0,25. Donc tu fais au mieux et c'est pas une catastrophe s'il y a un petit décalage. Ah, bisous Anne, ça me fait plaisir. D'accord, on a collé ça comme ça. Maintenant, on va mettre de la colle ici. Et sur le même principe, donc on met de la colle là, tout en laissant un petit décalage. Alors volontairement, je suis généreuse sur la colle puisque c'est une carte où il y a un mécanisme et du coup va avoir une force. Donc il faut vraiment que ça colle super bien. Ah bah de rien, Mirage Croix, je sais pas si c'est ton prénom ou ton pseudo, mais en tout cas je suis ravie que ce tuto et cette vidéo puissent te servir et te soient utiles pour la refaire. Et c'est vrai qu'on a toutes des techniques différentes, l'important c'est que ça fonctionne bien, hein, et vous trouviez votre technique. Alors, on va faire comme ça, alors, hop, on va reproduire, et on va coller comme ceci. Vous voyez, moi je remets le mécanisme, et je me mets comme ça. Voilà. Et comme ça, ça a collé de l'autre côté. D'accord ? Donc, l'important, c'est de bien mettre vos croix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah bah, c'est gentil, Christiane, ça me fait plaisir. En effet, on a tous et toutes des techniques différentes. L'important, c'est de trouver la technique qui vous correspond et avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Moi, j'essaie toujours dans mes vidéos de vous montrer des choses simples, même s'il y a des fois des mécanismes qui vous paraissent compliqués quand vous regardez, mais de vous les faire appréhender de manière très pédagogique, très ludique, et du coup, c'est facile. Vous vous rappelez la carte que je vous ai fait sur YouTube, que j'avais fait également en Zoom avec certaines d'entre vous, où la carte, elle explose, je l'avais appelée la carte explosion... Ouais, effet pop-up explosif là, où ça va dans tous les sens. Quand on la regarde, elle paraît très compliquée, mais quand on prend son temps de la faire avec des bonnes explications, ça va tout seul. Donc voilà, on a fait le plus dur, les filles. Hein. Mais il faut encore travailler un peu. Alors, on va reprendre nos papiers et on va. Du coup, j'ai un trou de mémoire, je vais regarder. J'avais fait. On va faire, on va reprendre notre massicot. Alors, comme je vous l'ai dit au début, on va pas faire exactement la même carte qu'on a fait, que je vous ai montré en modèle parce que j'avais envie de changer et que je mourais d'envie d'utiliser mes nouveautés. Bah, Sylvie, tu peux aussi rester avec nous, hein, si ça, tu veux passer un bon moment, il n'y a aucun souci.
Donc, si je fais 12 cm, est-ce que ça va le faire? Ouais, je vais garder mes 12 et je vais faire 12 sur 24. Est-ce que si je fais 12 sur 24, c'est bon? Nickel. Alors, on va faire 12 cm. Vous voyez, c'est pour éviter de faire du gaspillage. Donc là, j'avais 12, donc je garde mes 12. Et là, je vais mettre 24 cm. Je vais couper et je vais marquer un pli à 12 cm au milieu et j'aurai ma base de carte. Et vous voyez, j'aime bien aussi faire avec vous. Alors des fois, je prends des risques, hein, c'est pas terrible hein, parce que vous voyez, le modèle, c'est celui-ci. Mais pour le moment, je n'ai pas le modèle final, il est uniquement dans ma tête. Donc je prends des risques, mais j'aime bien prendre des risques avec vous. Et donc, voilà. Et on va pouvoir le coller ici. D'accord? Alors, quand on va coller le petit conseil, je coupe un tout petit peu, vraiment un petit millimètre. Voilà. Et je vais venir coller ici. Donc, je vais coller et je vais mettre de la colle uniquement sur mes deux triangles. Sur mes toits de maison, comme je les ai appelés tout à l'heure. Hop, la même chose de l'autre côté. Je fais les deux en même temps, comme ça je suis tranquille. Voilà, et je me remets ici. Donc je fais attention pour que ça soit centré sur ma carte, pour que ça soit plus joli. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, j'ai fait des bêtises. Voilà, c'est ma première bêtise. Je décale tout, puis voilà. On laisse un petit millimètre là pour que le mouvement de la carte se fasse bien, que ça n'abîme pas. Et je referme et j'appuie. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir regarder s'il y a des questions. Ah, Anne. Oui, bah, moi aussi, je l'avais déjà faite, cette petite vidéo, mais je ne l'ai pas retrouvée. D'ailleurs, vous verrez que c'est la carte Twist, je l'avais fait. Le tuto, c'est le numéro 37. Donc, vous imaginez que maintenant, j'en suis à 130 et quelques. 136. Donc, forcément, je l'avais déjà fait. Mais c'est top, du coup, de pouvoir refaire des choses. Des fois, on cherche compliqué alors qu'on a déjà fait plein de choses. Et voilà. J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise, non? Non. Ouh, j'ai peur. Voilà. Donc, je vais me mettre sur un petit coin. C'est que ma devanture de carte, elle fait 12 par 12. D'accord? Maintenant, je vais prendre du papier blanc. En fait, j'ai mon idée dans ma tête. J'ai envie de refaire... J'ai fait une carte pour ma belle-maman. Très clean, très simple, avec le cercle doré. Mais forcément, je lui ai offerte. Et je l'aimais tellement, donc j'ai envie de refaire avec ce système. Je vais vous expliquer, on va faire ensemble. Et donc, on va faire là, si j'ai 12, on va faire 11,6 sur 11,6. Voilà. On va coller dessus comme ça. Et pour lui amener encore plus de profondeur. Alors, je regarde si j'ai pas de chute de papier pour pas faire de gaspillage. Là, donc 11,6. Maintenant, 11,6 moins 4, ça fait 11,2. Hop là. Sur 11,2, bien évidemment, pour faire des carrés. Le scrap, ça fait faire des maths aussi, hein. Et 11,2 moins 4. 11,2 moins 4, ça fait 10,8. Donc, 10, on va refaire un carré de 10,8. Ah, sur 10,8. Ce carré-là, il est fini, resté. Vous n'avez pas vu la déco. Dommage. Vous voulez pas voir. Bon, bah tant pis, hein, on regardera en replay, il n'y a pas de souci. Non, je comprends, on a tous aussi des choses d'autres à faire que le scrap. Hein. Et donc, on va pouvoir coller et superposer, vous voyez, pour que ça fasse un petit décalage. Donc, on va déjà pouvoir coller ces deux-là.
Voilà. Je vais vous montrer aussi, on va utiliser le papier doré découpé au laser qui est juste splendide. Ça, je vais le coller ici, sur la devanture. Moi, j'adore utiliser mes papiers avec le petit matage autour. Je trouve que ça fait toute sa différence. Et celui-ci, par contre, avant de le coller, je vais le passer à la Big Shot. Et je vais le mettre dans un des nouveaux plioirs de gaufrage. Et regardez, il va rentrer pile poil dedans. Donc, hop là, on va tourner la manivelle. Ah bah ceux qui arrivent en retard, ils ont un gage. Ce serait quoi votre gage? De m'envoyer une carte? Non, je vais arrêter. Déjà que l'année dernière, vous avez été super généreuse à m'envoyer toutes des cartes pour mon anniversaire là. C'était trop bien. Et hier, j'ai fait un peu de rangement, je les ai retrouvées, j'en ai relu plein. C'était mon moment de nostalgie hier. Alors, regardez. Ah, Anne, tu vois, il faut que tu restes pour la déco. C'est l'important aussi, la déco. Le projet est important, mais la déco. Donc, vous voyez, j'ai utilisé mon papier que j'ai passé à la Big Shot. OK. Voilà. Je colle. Comme ceci. Et je veux surtout vous montrer quelque chose. Donc. Voilà. Et en fait, je veux vous montrer un produit qu'au début, j'avais pas forcément vu dans le catalogue. C'est ces cercles dorés. Ils sont sublimes. Au début, je me suis dit, ouais, beau, je vois pas trop l'intérêt. Non, dans un premier temps, il faut être honnête, je les ai pas vus dans le catalogue. Parce que je suis pas une super fan de tous les embellissements, parce que comme j'aime le style, on va dire clean, j'ai du mal à rajouter, ouais c'est mieux comme ça parce que sinon on voit trop mon décoté, beaucoup d'embellissements. Mais alors cela, je me suis dit tiens, ça change de d'habitude. D'ailleurs je vais vous dire le numéro de la page, si je le retrouve, je connais pas encore tout. Et en plus... Alors, si je vous montre le catalogue, ça serait mieux. En plus, ils sont à côté des strass. Vous savez comme quoi je les adore, ces strass, que j'en rajoute à chaque fois. Donc forcément, ces ornements cerceaux dorés, ils ont attiré mon attention. Et puis, je me suis dit, tiens, ça peut servir de boucle d'oreille, de bracelet. Bon, bracelet, il faut des petits poignets. Mais après, donc je les ai commandés et je suis tombée en amour pour eux. Parce qu'ils sont tellement fins, tellement jolis, qu'ils rendent vraiment très jolis sur les créations. Et ça donne un côté chic à ce qu'on va faire. En plus, ils sont un tout petit peu plus grands que la perfo 2 pouces. Pourquoi je vais vous montrer la perfo 2 pouces? Parce que, en fait, je vais le mettre à l'intérieur. Parce que je vais tamponner sur mon cercle là. Pourquoi? Parce que si je tamponne sur mon papier où c'est déjà embossé, la qualité du tamponnage va pas être jolie. Alors que là, ça va être joli et on va avoir une différence de texture. Et donc, ça, c'est... Donc, j'aime bien. Alors, je vais prendre quoi comme tampon? Celui-ci. Donc, c'est à une amie qui me fait sourire. D'ailleurs, je sais pas si elle est là aujourd'hui, ma copine Karen... Parce que demain, c'est un jour important pour elle. Et donc, je pense très fort à elle. Donc, je vais prendre quelle couleur d'encre? Je vais prendre... Ouais, noir. Je vais faire noir. Alors, j'ai pris la Memento parce que du coup, la Memento, elle est plus facile à nettoyer. Ah, bisous, Solange. Et du coup, je tamponne. On tamponne. Super. Je ne l'ai même pas mis à l'envers. Ça aurait pu. Hein. Je l'ai déjà fait. Pour celles qui me suivent depuis un moment, j'ai déjà tamponné en plein live à l'envers. Et donc, je vais venir coller mon cercle et ça. Et après, et c'est ça que je voulais vous montrer, la plaque d'embossage. J'ai un trou, Sylvie. Attends, je reprends mon catalogue et je te dis. J'ai des problèmes de mémoire en ce moment. Il y a la fatigue. Et comme j'ai bossé en plus aujourd'hui, c'est encore pire. C'est toile brute, exactement. C'est celle qui est là.
en bas, page 185. Voilà. Hop, je la remets de côté. Et on va utiliser le magnifique papier splendide. Ah, celui-ci, regardez. Regardez comment il est trop beau. En fait, il est découpé au laser. Il est juste splendide. Vous voyez ? Vous avez côté or et vous avez de l'autre côté côté blanc si vous le souhaitez. Et que vous pourriez teinter aussi, par exemple. Donc, il y a ça. Il y a celle-ci aussi. Alors, vous voyez, c'est très délicat, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Oh, c'est une tuerie, ce papier. Je l'adore. Je l'adore. Et donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme feuillage discret? Alors, j'avais bien aimé. Je vais refaire comme j'avais fait pour la carte de belle-maman. Parce que je l'ai beaucoup aimé. C'était, j'ai pris celui-ci. Ce feuillage-là. Alors, il y a 4 feuilles de chaque. Me doutez qu'il allait avoir une question sur ce produit. Hop là. Alors, il faut y aller tout en délicatesse, évidemment. Voilà. Bisous, Stella. Comme ceci. Donc, je vais coller dans un premier temps mon cercle classique. Donc là, je vais le centrer hein, pour que ça soit plus joli. Et pour le cercle doré, tout simplement, alors on y va tout doucement et en délicatesse, on va mettre un tout petit peu de colle. Ok. Voilà. Alors, je ne mets pas tout sur les doigts, comme ceci. D'accord. Ah ouais, elles sont trop belles, celles-ci. Et puis, je vais tricher un petit peu pour être sûr que ça ne bouge pas. Je prends une demi-petite mousse 3D. Alors, c'est ridicule. Hein. Que je vais mettre là sur le côté. Voilà. Donc, j'enlève l'opercule. Je vais mettre le feuillage qui est là. Comme ceci. Ok ? Évidemment, vous allez me dire, oui, mais là, on voit la mousse 3D. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai utilisé aussi cette petite perfo-là, qui est aussi une nouveauté. Et j'ai utilisé des fleurs pour les mettre en valeur. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'associer le juste jade avec une des nouvelles couleurs qui s'appelle magenta à la folie. Évidemment, j'ai oublié de sortir mon papier. Voilà, c'est bien, j'ai trouvé mes... J'ai préparé des cadeaux pour mes clientes de ma porte ouverte. Alors, du coup, j'avais encore des chutes. Donc, j'en ai mis 3. Ça, c'est comme les strass. Je mets toujours par 3. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai pris mon tapis Stampin' Pierce en 10. Voilà. Ah, bisous Martine, ça me fait plaisir de te voir. J'ai repris mon outil touche-à-tout qui n'est pas rangé à sa place. Comment cela se fait ? Il est où mon outil touche-à-tout ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Bah, à force de trop s'en servir, je ne l'ai pas remis à la bonne place. Ouh, c'est pas bien. Donc je mets en volume mes petites fleurs. Comme ceci. Et la petite troisième. Voilà. Délicatement, je mets de la colle. Voilà. Et je vais venir coller une petite ici. La plus grosse au milieu. Et comme pourquoi la au milieu? Parce que comme ça va plus cacher la mousse 3D qu'on a mis. Hein, tout simplement. Il faut savoir ruser en scrap. Je suis peut-être plus cadrée d'ailleurs. Hop. Voilà. Je regarde si je suis toujours cadrée parce qu'à force de travailler dans les petits coins, forcément. Voilà. Et la dernière. Hop. Donc, on remonte un petit peu plus haut. Ici. Voilà. Et puis, dans mes coups de cœur aussi, mais qui étaient déjà au catalogue, mais vous n'avez peut-être pas repéré, c'est
les cristaux de rein couleur champagne, qui du coup se prêtent super bien à ce projet, que j'ai mis au milieu des fleurs. Donc j'ai pris les plus petits et que j'ai collé au centre des fleurs. Hop, on continue. Merci les filles, je suis contente que ça vous plaise. Vous voyez, d'un projet qu'on a déjà fait éventuellement, le fait de mettre une déco différente, forcément ça donne un effet différent. Hop, on est parti. Il nous reste encore à faire l'intérieur, parce que j'ai décidé de faire tout le projet avec vous, parce que vous m'avez... voilà. Et donc, il va falloir en fait vous rappeler sur le modèle, habiller l'intérieur, et donc il va nous falloir 4 rectangles, que je me rappelle plus de la taille. Ça y est, j'ai pris mon petit pense-tabette, mon cahier tuto, et du coup j'ai tout ce qu'il me faut. Et donc il me faut tomber, ça tombera pas plus bas. Il me faut 4 carrés de 8,6 sur 5,8. Alors on va essayer d'être économe sur le papier, donc là je vais faire 8,6. Voilà. Et après, on va faire 5,8. En tout cas, belle maman, elle a adoré sa carte. Bon, elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est plutôt du matin, hein, belle maman. Là, elle est partie en vadrouille, je crois, au jardin. Mais en tout cas, elle a adoré. Ça a été compliqué de ne pas vous la montrer parce que comme elle regarde ma page et elle est... Même si elle scrappe pas, elle est toujours sur ma page. Je pouvais pas vous la publier le jour de la fête des mères. C'était pas possible. Quand je voyais toutes les copines qui publiaient sur la fête des mères, je me disais, mais moi, si je fais ça, belle maman, elle va me griller. Hein? Donc voilà, on a nos 4 carrés. Ah bah, je suis contente, Elisabeth, que... Je t'ai fait changer d'avis parce que ces cercles dorés sont vraiment très chics. S'il fallait que je me remarie avec le même homme, hein, parce que vous savez comme quoi je l'adore, mon homme, je les utiliserai forcément pour les faire part. Je trouve ça super chic. Et voilà, c'est top. Donc, mes 4 petits rectangles. On pourrait faire le choix de mettre des photos si vous voulez. Moi, là, je vais faire le choix d'utiliser les sets de tampons émotions effeuillés. Que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils n'ont pas le temps. J'ai du mal à les laver parce que je les utilise tout le temps. Et donc, je vais prendre mon petit bloc acrylique. Voilà. Et on va faire du feuillage. On va prendre... Ah, mais non, je peux reprendre ma couleur juste... Ah, bah attendez, je vais vous montrer un truc. Ah, il est où mon juste jade? Là. Je les ai reçus hier, mes nouveaux encreurs. Regardez. On va l'ouvrir ensemble. Alors, ah, je vais vous montrer une petite technique du coup. Ah bah voilà, c'est super. Alors, quand vous recevez vos encreurs Stampin' Up. Alors, déjà, vous avez vu, il y a des petites encoches là, c'est pour qu'ils puissent s'empiler sans tomber. Et ça, c'est top. Après, pour l'ouvrir, c'est juste à basculer. D'accord? Mais avant, derrière, vous avez les étiquettes avec la couleur et le nom. Donc tout simplement, moi, je prends l'étiquette écrite en français. Alors moi, j'ai la chance, j'ai des ongles, c'est facile. Et je la colle ici, puisque c'est comme ça que je vais repérer dans mon meuble les couleurs. D'accord? Et puis, vous voyez, il y en a d'autres, il y en a en plus. Et moi, la petite astuce, c'est que je prends celui où il n'y a pas de nom, en fait. Je le prends entièrement. Donc là, alors je fais attention de tout garder. Voilà. Et je vais venir le coller ici, juste là. Pourquoi? Parce que comme ça, quand mon encreur il est ouvert, et ben je vois aussi la couleur que c'est. Parce que vous savez, quand des fois on fait les techniques de fond, page, on ne sait plus quelle couleur c'est. Alors, je vais faire attention de ne pas m'en mettre plein les doigts. Et voilà. Et du coup, j'ai mon rappel de couleur. Et voilà. On va faire le feuillage, comme ceci. Alors, je vais vraiment y aller. Alors, c'est la première fois que j'utilise. Nickel. Et je vais faire juste dans les angles, comme ceci. Waouh, il est super joli. Ouh là 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 là.
Je crois que ce juste jade va me faire vraiment aimer le vert. Comme quoi, il faut jamais dire jamais. Hop, je continue. Voilà. Encore. Ça va, vous suivez encore. Je vous ai pas perdu. On continue. Voilà, super. Et puis, vous savez, comme j'aime les igoui-goui. Et donc, on va faire des igoui-goui. Et d'ailleurs, ils sont où mes feutres? Je les ai rangés où? Ils sont là. Vous voyez, quand vous dites à chaque fois qu'il faut une grande scrap room, en fait, il ne faut pas une très grande scrap room parce que sinon, je ne pourrais pas chercher tout à portée de main de ma salle à manger. Donc, les Stampin' White, ah, j'ai oublié de vous dire aussi, les encreurs, pendant qu'on y est sur le sujet encreur, on les range comme ceci parce que Stampin' Up! A déjà prévu pour vous de les mettre en avant, la tête en bas. Véronique, je suis désolée pour ton catalogue, je vais t'en renvoyer, hein. J'en suis navrée. Et je sais pas, vous êtes quand même quelques-unes à pas avoir reçu votre catalogue, c'est avec un grand, une grande tristesse. Si tu veux bien m'envoyer un petit message privé et me redire ton adresse pour être sûre que j'ai eu la bonne adresse, ça serait très gentil Véronique. Voilà, et je m'excuse d'avance. Voilà, donc ça c'était les encreurs. Là on arrive au Stampin' White, donc je vous rappelle que vous avez deux pointes, et dès que vous avez des feutres, à deux pointes, il faut toujours les ranger couchés, peu importe la marque, encore plus ce Stampin' Up! Parce que c'est la marque dont je revends et donc je sais très bien mes produits, mais tous les feutres sont comme ça, ok? C'est pour que l'encre qui est à l'intérieur soit bien répartie sur les deux pointes. Donc vous avez une pointe fine et une pointe épaisse, et donc là je vais utiliser la pointe fine pour pouvoir faire mes igouigouis. Oulala, qu'est-ce qu'il est joli! Comme diraient mes enfants, un régal pour les papilles. On continue. Et du coup, je vais faire ça sur toutes mes petites cartes. Alors, mes igouigouis, c'est tout simple, en fait. C'est, vous, je sais pas si vous vous rappelez. Moi, je me rappelais quand on était à l'école maternelle. On faisait des lignes de lettres, des boucles. Vous savez, pour apprendre à la dextérité. Et ben, c'est exactement ça. C'est des E. Ma maman ou mon papa serait là pour regarder la vidéo. Et il me dirait oui, parce que quand j'étais petite, je faisais des lignes de UE. C'est les petites anecdotes, ça. Mais je vais pas tout vous raconter de ma vie, quand même. Restons sereines et restons dans notre sujet de la vidéo, quand même. Donc, voilà. Donc, regardez cette couleur juste jade. Elle est juste magnifique. Et j'aime toujours autant travailler avec mon matériel Stampin' Up! Qui est vraiment toujours d'excellente qualité. Je suis jamais déçue et ça, c'est vraiment chouette. On a un super service après-vente. Des filles géniales. Alors, c'est vrai que on va dire, comment on peut dire, c'est en Allemagne, à Francfort, mais ils parlent toutes français. Elles sont toutes aussi gentilles les unes que les autres, entre Carole, Annie, Cathy. C'est vraiment des filles géniales. Je suis vraiment contente de travailler pour Stampin' Up! Elles partagent aussi des belles valeurs. Et donc après, il faudra juste les coller ici. Alors volontairement, hein, comme d'habitude, parce que vous savez que j'ai mes petites manies, mon rectangle blanc, il est plus petit que mon papier vert pour qu'il y ait cette idée de matage tout autour. Donc, pour vous dire quand même que ce mois-ci, il y a des super promos. Il y a une promo pour devenir démonstratrice, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Mais il y a aussi une promo pour les hôtesses, c'est-à-dire pour celles qui reçoivent des ateliers ou qui font des grosses commandes. Parce que je sais qu'il y en a qui sont gourmandes. Je cherche dans quel sens je vais le mettre. Ah, j'aurais pu faire comédienne avant. Non, bah, c'est pas trop mon truc, hein. C'est pas trop mon truc. Donc, on continue. Voilà. Et on va faire la même chose sur les quatre feuilles. Voilà. Voilà.
Bah tant mieux si je vous fais rire. Il n'y a que ça de bon dans la vie. Le rire. Le partage, le rire, le scrap. Et le chocolat. Donc voilà. Les... Alors, voilà. Hop, et on referme. Et donc ça y est, nous avons réalisé ensemble notre carte twist. Voilà, regardez. Attention, magie. Magique. Magique. Voilà. Alors, est-ce que cette... J'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez appris plein de choses. On a aussi fait un petit aparté, évidemment, sur les encreurs et les feutres, parce que je trouve ça important. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout pendant que je suis encore avec vous. Allez, je vous attends. Je sais qu'il y a un petit décalage. C'est pas encore l'heure de la soupe. Ça vous plaît? Bah tant mieux. Je suis contente que ça vous plaise. Moi, j'adore vous faire plaisir, vous le savez. Hein. Enfin, j'espère, en tout cas, c'est le but. Donc, si vous avez envie de craquer pour cette collection émotions et feuillis, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour passer vos commandes. On a aussi les cercles dorés. On a le papier hein, qui est... On ne l'a pas utilisé, tiens, d'ailleurs. Bon, bah, ça sera peut-être pour une autre fois. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ou autre. Et donc, sur les petites cartes blanches, alors, on peut très bien mettre des petits messages, mais on pourrait aussi mettre des petites photos d'identité, ça peut être sympa, par exemple. Voilà. Alors, pas de questions. Évidemment, comme d'hab, hein, alors, le tuto, Elisabeth, bonne question. Donc, il est là. Hop, il est déjà prêt et tu pourras le retrouver dès demain matin sur ma page Facebook, d'où l'importance de bien s'abonner à ma page Facebook pour rien louper. Hein. Et puis, dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver cette vidéo donc aussi sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Et sur YouTube, c'est des fois beaucoup plus facile de les retrouver, les vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, je vous ai mis toutes les coordonnées qui sont là. Donc, c'est facile, c'est toujours Fanny Scrap Stampin' de vous abonner aussi sur YouTube parce que au niveau de l'archivage, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo et ce live vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été contente de vous voir aussi nombreuses avec des nouvelles personnes. Ça, c'est top. C'est déplacé. Hop, c'est mon côté tatasse, là. Voilà. Mais c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Alors oui, les tampons sont en caoutchouc. Effectivement, regarde. Pas transparent, mais caoutchouc. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire aussi une vidéo. J'ai prévu plein de choses. Il me faut juste un petit peu de temps de vous prévoir plein de vidéos sur les zooms produits. Et évidemment, on a plein de nouveaux produits dont je pourrais vous présenter très prochainement. Donc, c'est pour ça que je vous encourage fortement à vous abonner sur YouTube pour bien tout retrouver. Hein. Ouais, le format... Alors, tu vois, Marie-Lise, en fait, j'ai fait un format carré parce que j'ai utilisé mes chutes de papier dont je m'étais servi pour ma structure. Du coup, ça évite le gaspillage. On peut le faire... l'autre carte, à la base, était plus grande. Hein, regardez. Après, c'est à vous de vous adapter. Le prix des cercles... oui, je te dis ça. Attends. Alors, je ne le connais pas par cœur. Je te le dis et je regarde avec toi. On va regarder, je vais regarder de suite le catalogue. Il y a tellement de belles choses que je n'ai pas encore tout enregistré et tout. Alors, les petits cercles sont cercles dorés sont à 9 euros les 10. Voilà, donc ça fait 90 centimes le cercle. Ouais, je compte bien, ça rigole plus. Hein. Voilà. Bah écoutez, ça va être le moment de se quitter. Je vais vous faire d'énormes bisous. Pour celles qui regardent en replay, je leur fais aussi d'énormes bisous. N'oubliez pas, si vous avez besoin des articles qu'on a vus sur cette vidéo, soit vous me contactez, soit vous allez comme une grande sur ma boutique en ligne précisant bien mon nom, Fanny Souvelin, pour me retrouver. Et comme ça, pas de soucis. Ou au pire, je vous envoie le lien sans problème, avec plaisir. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine.
Je pense que ça sera aussi le soir, puisque tout le mois de juin, je n'ai pas de jour de repos en semaine et donc pas disponible le matin. Mais c'est pas grave, on s'adapte et puis on fonce ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Je vous fais des gros bisous de loin. Prenez soin de vous et bon scrap. Salut!